retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo haul des soldes de Yves Rocher, de You Are Cosmetics, une nouvelle marque qui a été créée par le staff de ELF et un partenariat parce que j'ai reçu quelque chose, donc du coup je vais vous le présenter. Donc c'est parti. Donc on commence par les soldes Sephora. Donc mercredi, dès 6h du matin, j'étais sur le site à farfouiller parce qu'en général, Sephora change les prix avant 8h. Donc il n'y a pas la catégorie solde en soi, mais il faut aller chercher un petit peu partout. Et donc du coup, moi, j'ai fait toujours mes soldes comme ça. J'ai sincèrement pas pris grand-chose et je trouve que Sephora, c'est de pire en pire. C'est franchement, je vais aller en magasin voir, mais voilà, je pense pas craquer pour plus que ça parce que j'ai pas trouvé qu'il y avait grande réduction ou il y avait beaucoup de choses de super. Donc j'ai repris bien évidemment les masques parce que j'adore les masques Sephora. Donc en masque visage, j'en ai pris 4. J'ai pris celui-là, visage perle, uniforme et éclat. J'ai pris le nourrissant réparateur à l'avocat. J'ai pris également anti-âge lissant. Celui-ci, c'est à l'orchidée. Et j'ai pris à la grenade défatigant énergisant. Il me semble qu'ils étaient à 1,99€, moins 50, je crois, au lieu de 3,99€. Et j'en ai pris également pour les yeux. Donc, j'ai pris, en général, j'ai pris les mêmes, sauf un. Masque à la perle, grenade défatigant énergisant. Et j'ai pris deux à l'avocat parce qu'il n'y avait pas le masque yeux à l'orchidée. Je sais pas pourquoi, pourtant il me semblait l'avoir déjà vu, mais ça n'y était pas. Et j'en ai profité du coup pour reprendre les petits masques aussi pour les lèvres. Il me semble qu'ils étaient à 1€. Donc franchement, quand c'est les soldes Sephora, c'est vraiment le moment de faire le stock pour l'automne-hiver ou même là pour l'été. Franchement, moi je fais toujours mon stock au solde. Je trouve que c'est très très intéressant et qu'à ce prix-là, franchement, franchement, faut pas se priver. Après, au niveau solde, j'ai trouvé une petite chose de Marc Jacobs. Donc, j'avais toujours voulu tester la Marc Jacobs. Il me semble que j'avais testé une fois un mascara dans une box. Mais j'avais très envie de tester leur crayon à yeux. Et là, c'était un petit kit. À la base, il était à 17,99€, je pense, un peu plus de 17. Et je l'ai eu à moins 70, 5€ et des brouettes. Donc, franchement, 5€ un petit kit. C'est pas mal. Après, je pense que c'est vraiment des mini-mini. Vous avez pas mal de petites miniatures comme ça, des petits kits de soldés. Ah, bah déjà, quand on voit ce qu'il y a, ça a l'air d'être tout petit petit. Alors, c'est tout petit. Donc, le mascara, ouais, j'ai dû l'avoir dans une glossy box. Donc, ce mascara-là. Et le tout petit crayon, tout petit, petit, petit. Donc, un crayon noir. On a toujours besoin d'un noir. Ah, ça se tourne. Alors, je pensais que la mine, elle s'était barrée. En fait, non, ça se tourne. Est-ce qu'il écrit bien? Est-ce qu'il écrit bien? Oui, alors j'ai juste passé tout doucement et effectivement, il marque bien. Donc voilà, un petit kit Marc Jacobs, 5€. Donc vu le prix de la marque, je suis plutôt contente d'avoir ce petit kit pour 5€. Ça vaut vraiment le coup. Donc j'ai eu également la possibilité de choisir 3 échantillons. Donc j'ai pris le nouveau parfum Yes I Am, que j'avais envie de tester. Le Mademoiselle Rochas, parce qu'il me semble avoir déjà eu un échantillon, je le trouvais qui était plutôt sympa et j'étais pas sûre, donc du coup voilà. Et de Clinique, le soir 72 heures Monster Search. Voilà, Clinique c'est vraiment une marque tip top. Donc c'est tout pour mes soldes Sephora, franchement... J'ai cherché et tout et j'ai pas trouvé grand chose, je suis vraiment déçue et tout. Et donc normalement la vidéo est en ligne dimanche. Donc samedi, c'est-à-dire demain, on va à Pardieu à Lyon. Donc j'espère trouver des choses sympas. Donc du coup je vous referai une vidéo solde. Là on va continuer avec ce que ma belle-mère m'a envoyé. Donc des produits Yves Rocher et j'ai fait une grosse commande beauté privée avec la marque You Are Cosmetics et je vais vous montrer tout ça. C'est parti. Donc, belle maman nous a envoyé un petit colis et j'ai eu la trousse d'Yves Rocher. Celle-ci, je la trouve vraiment toute mignonne. Du coup, je mets mon maquillage que j'utilise tous les jours dedans. Et elle était bien garnie, cette petite trousse. Donc, j'ai eu 2 produits maquillage. Donc, le mascara Sexy Pulp édition limitée. Je vous ai pris l'édition normale pour vous montrer. C'est celui-là que j'ai en ce moment, donc le Sexy Pulp. Et l'édition limitée, c'est avec les petits yeux.
J'adore ce mascara, je le trouve vraiment tip top et c'est un mascara noir parce que j'utilise que des mascaras noirs en général. Et Belle Maman a craqué également pour ceci. J'avais déjà vu, c'est un poudre illuminatrice et je la trouve vraiment très très jolie. Alors, je vais vous faire un swatch et en ce moment je l'utilise pratiquement tous les jours. Elle est vraiment très 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 jolie. Franchement subtile et tout, je la trouve vraiment très jolie. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Donc cette petite poudre que j'aime beaucoup. Donc bon choix Belle Maman. Donc j'ai pratiquement fini toute ma routine Yves Rocher Hydra Végétal. Donc c'est une nouvelle gamme qui vient de sortir il y a, il me semble, 3 mois, quelque chose comme ça. Donc il y avait déjà une gamme Hydra Végétal d'Yves Rocher, mais là ils ont dû reformuler, je pense. Et franchement, cette gamme est vraiment tip top. Donc elle m'a repris le gel nettoyant visage que j'aime beaucoup et je trouve qu'il se vide assez rapidement pour 125 ml. Je vais remettre dans la petite trousse. Elle m'a repris également la lotion tonique. Donc celle-ci, il me doit m'en rester pour même pas une semaine, je crois. Je l'aime beaucoup, elle est très très fraîche. C'est pour les peaux normales à mix. J'ai également le lait démaquillant et celui-ci, je ne l'avais pas encore. Donc du coup, je vais pouvoir le tester également. Mais quand j'aurai fini mon lait démaquillant 2 en 1 de la Gacilly, je crois, et l'huile démaquillante. Je vais pas ouvrir 3 produits, ça sert à rien. Elle m'a également repris le gel crème hydratation non-stop peau normale à mix, que j'aime également beaucoup. Je le trouve très frais, très agréable pour le matin. Et le soir, je mets quelque chose d'un petit peu plus nourrissant, en fait. Et j'ai eu également donc le sérum liquide ultra hydratant peau normale à mix. Et celui-ci, je pense que vous pouvez voir ou pas. Ah si, peut-être. Voilà, donc je l'ai, ça fait une semaine que je l'utilise. Donc il est déjà pas mal utilisé. Franchement, ça c'est un gros 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 coup de cœur. Je l'aime beaucoup. Il est très très liquide. Hein. Ça m'est déjà arrivé de faire une petite pompe et qui coule limite de mon doigt et pouf dans la lavabo. Tu fais ma mince alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc voilà, ce sérum franchement c'est un gros coup de cœur. Je pense qu'il est vraiment très 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 hydratant. Je l'aime beaucoup. Donc merci Belle Maman. C'était franchement c'était super cool. Donc on continue avec mes achats beauté privée. C'est parti. Donc j'ai passé une commande sur Beauté Privée. Je pense que je vais vous montrer voilà, ce que j'ai pris et je vous montrerai après la marque UR Cosmetics. Ça va être plus simple. Sinon j'ai tellement de bazar que je ne vais pas m'en sortir. Donc j'ai pris une coupe menstruelle. Donc ça fait un moment que j'avais envie de tester et du coup je l'ai vue sur le site. Je me suis dit allez vas-y, ça fait un moment tu veux essayer, fais-toi ton propre avis. Donc pour celles qui ne connaissent pas, c'est ceci. Donc non, ce n'est pas la cellule Blue pour la peau d'orange. Non, non, non. C'est quand on a ses règles. Voilà. Donc si ça vous intéresse que je vous en parle après avoir testé et que je vous fasse une vidéo à part, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà, cette petite chose. Donc c'est pour remplacer les serviettes hygiéniques. Voilà, on le plie d'une façon, je pense. Et bah, on rentre un peu comme un tampon et donc du coup bah, les règles se mettent à l'intérieur et après il faut vider. Donc c'est pas forcément top top, mais vous me direz que quand on utilise les serviettes hygiéniques, c'est pas non plus top top. Donc voilà, j'avais très envie de tester ça, de me faire mon propre avis, tout ça. Et donc du coup, bah, si ça vous intéresse, voilà, je vous ferai une petite vidéo, mon avis, après première utilisation ou après avoir testé plusieurs mois. J'en ai profité également pour prendre un stérilisateur de la marque Soucube. Voilà, donc c'est marqué stérilisateur Soucube. J'ai pas encore, voilà, tout, rien n'est déballé, je vous ai attendu, c'était trop compliqué de vous attendre même si c'était qu'il y a 2-3 jours. Donc voilà, j'ai pris le petit stérilisateur. Alors par contre, j'ai marqué les prix. Alors, je marque les prix. Alors la coupe, elle était à 13,90 et le stérilisateur, je ne sais pas, stérilisateur de coupe rétractable, 5,60 €. Voilà. Ensuite, j'ai craqué pour des bijoux de la marque Whoopsie Daisy. Donc du coup, pour celles qui me suivent sur Instagram, je leur avais demandé quelle boucle d'oreille elles préféraient. J'arrivais pas à me décider entre 5 ou 6 paires. Et la paire de boucles d'oreille était à 14,90 €. Donc ça reste assez cher au lieu de 40. Donc du coup, je vous ai demandé et en fait, bah, les avis étaient partagés. C'était limite 49, 51, des trucs comme ça. Donc au final, voilà, j'ai pris les noirs. Les comme ça et je pense que du coup ça va être très joli, très sympa. C'est la mode, voilà, des petits pompons. En plus celles-ci elles sont
sont dorés. Je les trouve vraiment chouettes. Donc 14,90. J'ai également pris un collier lune en rose gold. J'hésitais avec argent parce que je porte que de l'argent tout le temps. Et je me suis dit, allez, pour une fois, ça va changer. Donc j'ai pris le collier. Il me semble qu'il devait être dans les 14 euros également. Donc le petit collier, dans le bon sens, ça serait cool. Merci. Le petit collier lune, voilà, qui va être, je pense, ouais, ça va être sympa et je pense que ça va changer. Donc le petit collier lune, voilà. J'avais vu, je sais plus, dans une vidéo YouTube, une fille qui parlait de ça. C'est la nouvelle gamme de Schwarzkopf, c'est biologique. Voilà, ils ont sorti une nouvelle gamme il n'y a pas très très longtemps non plus. Et il y a eu une vente un petit peu éclair sur Beauté Privée. Et donc du coup j'ai pris ceci, c'est un pré-shampoing. Je n'ai plus pris, je l'avais noté également. Pré-shampoing 5,60€. C'est un pré-shampoing, donc ça fait un peu style, vous savez, mousse nettoyante. On pompe et puis voilà. Donc il faut mouiller ses cheveux. Je l'ai utilisé hier soir. Il faut mouiller ses cheveux et on en met un petit peu ici. On laisse agir 5 minutes. Et ça va être écrit en anglais, il me semble. Pour cheveux abîmés, appliquer sur cheveux humides. Laisser agir 5 minutes pour intensifier l'effet nettoyant, rincer soigneusement et utiliser avant le shampoing. C'est un pré-shampoing réparation. Mais c'est pas, ouais, c'est pas écrit plus que ça. Il me semble que c'était pour cure chevelu un petit peu abîmé et irrité. Donc ceci, franchement, ça sent trop trop bon. Et je pense que la prochaine fois que je commanderai sur Beauté Privée, j'ai vu qu'il y avait les shampoings, l'après-shampoing et le masque. Et je pense vraiment me laisser tenter parce que l'odeur, oh mon dieu, ça sent vraiment trop trop bon. J'ai également craqué, il y avait une vente de la marque W7, donc c'est une marque, je ne sais plus si c'est américaine ou anglaise. Ils vendent pas mal de palettes qui sont des dupes genre de la moderne renaissance ou ce genre de choses. J'avais très envie de tester cette petite poudre, il me semble, voilà, 4,90 et 4,80. Donc il y a une poudre blanche, voilà, un petit peu comme ça qu'on voit de chez Sephora. Et bah, il y a une poudre libre, salsa, salsa. Ouh, salsa! Celle-ci, c'est la Banana Dreams et en fait, elle est couleur un petit peu jaune. Je ne sais pas trop si vous allez bien voir. Donc celle-ci, elle est un petit peu connue également. Donc je ne les ai pas encore ouverts. J'hésite, est-ce que je les ouvre tout de suite ou pas? Faut que je vois, est-ce que j'ai tellement de produits? Des fois, je me dis, mais tu vas jamais y arriver, ma fille. J'ai craqué également pour un vernis ici pour atteindre un montant et pas avoir les frais de port. Je ne sais plus exactement, enfin bref. Du coup, j'ai pris ce vernis-là. Donc, le vernis ici, c'est celui-là que je porte sur les ongles. C'est la teinte Sweet Retrage. Voilà. Et je l'ai pris, mais alors, sans grande conviction, je me suis dit, oh, un vernis bleu. Bof, voilà. Je pense que j'ai fait le tour. J'ai déjà des vernis bleus et tout. Et franchement, j'adore la teinte. Je la trouve trop, trop beau. C'est un bleu que je n'avais pas du tout. Et oui, c'est un bleu que je n'avais pas. Et franchement, je l'aime beaucoup. Voilà. Du coup, c'était... pas un achat besoin ou quoi que ce soit, c'était plus pour combler, voilà, pour arriver à un chiffre. Et du coup, bah voilà, le petit vernis qui était à 2,50€. Voilà, donc vraiment pas très très cher et franchement, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai repris, et ça doit être la troisième fois que je le rachète, de la marque Florence Nature. C'est un spray assainissant aux 31 huiles essentielles bio. Efficacité prouvée, bactéries, champignons et acariens. Avec le changement de temps, de saison, on a eu pas mal d'humidité et tout. On s'est tous retrouvés avec le nez qui coulait, tout ça. Enfin, c'était vraiment pas top top. Et quand t'as aéré, enfin, ça aéré, mais il y avait plein d'humidité, ça sentait, c'était pas terrible. Et donc, du coup, voilà, c'est. Puis il y a eu le pollen aussi qui arrivait. Enfin, bref, c'était la catastrophe. Donc, du coup, j'en avais déjà un et j'ai eu l'impression que bah, j'en mettais tous les jours, tous les matins. Parce que, en temps normal, j'y pense pas tout le temps. Mais là, vraiment, enfin, quand on avait vraiment les nez pris et tout ça, j'y ai pensé. Donc du coup, ça l'a vidé assez rapidement. Du coup, je m'en suis repris un et il me semble que c'est 6€ pour 100ml. Et en général, ça me dure assez longtemps. J'ai eu peur, en fait. J'ai cru qu'il y avait une abeille qui était rentrée dans la maison. Et en fait, non. Vous allez rire, c'est un scooter qui vient de passer. Non, bref. J'ai eu un moment de panique. Je me suis dit, mon Dieu, elle est où? En fait, non, voilà. Alors, ouais. Donc du coup, le spray assainissant, franchement, je l'aime beaucoup. Je pense que je le rachèterai tout le temps sur Beauté Privée. Ça allait me prendre pour une tarée. Enfin, ouais. Donc, je vous l'ai dit, il y a eu une vente You Are Cosmetics et j'ai un
applaudis pour craquer pour la vente You Are Cosmetic. Voilà, donc j'en ai profité. Donc c'est une nouvelle marque. Voilà, ELF a fermé ses portes entre guillemets. Et donc l'équipe ELF a décidé de recréer une marque un petit peu à part avec des prix toujours comme ça abordables. Et quand j'ai vu qu'elle allait être sur le site Beauté Privée alors que ça faisait à peine 2 mois ou 2-3 mois qu'elle sortait, oh, j'étais trop contente et je me suis dit pourvu que ceci y soit. J'ai trop envie. Alors cette palette, c'est une palette de contouring qui est vendue 9€ sur le site et que j'ai payé 4,20€. Vous allez voir, tous les produits sont tous emballés individuellement. Et donc, c'est cette palette-là. Donc, le design est plutôt sympa, je trouve. Voilà, noir comme ça, avec écrit You Are Cosmetic. Et voilà, la palette, c'est celle-ci. Donc, je pense que pour certaines, ça va un petit peu rappeler un peu celle de Kat Von D. Voilà. Donc, il y a 2 highlighters au milieu de poudre pour... Voilà, pour poudrer le visage et tout au bout c'est des poudres bronzantes pour sculpter le visage en fait et je les trouve trop belles et j'ai trop envie de mettre mes doigts dedans et la tester et tout mais du coup je vais vous faire une revue première impression total look donc c'est à dire du fond de teint jusqu'au mascara, liner, aux yeux, aux sourcils, enfin voilà du coup voilà je me retiens, je teste pas mais franchement je vais vous faire une revue pour voir un petit peu si ça vaut le coup parce que tout ce que j'ai acheté, j'en ai eu pour 23,20€. Et je ne sais pas combien de produits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je dois avoir 13 ou 14 produits pour 23€. Quoi. Franchement, si ça vous intéresse de commander sur Beauté Privée, mon lien de parrainage, donc 5€, offert pour 15€ d'achat, est en barre d'infos. Et c'est pour les nouveaux clients, les nouveaux inscrits. Donc on continue, j'avais également très envie de tester, j'y vais dans tous les sens en fait, voilà. Pinceau à fond de teint de chez ELF, mais donc du coup comme la marque est arrêtée, j'ai pris celui-là de You Are Cosmetic et en fait c'est sensiblement le même. Donc le pinceau, j'ai pas marqué le prix mais il me semble que ça devait être un truc genre 2,30 ou 2,50, je crois quelque chose comme ça, enfin bref. Donc voilà, et tout est arrivé, bien emballé et tout. Donc il faut que je lave parce qu'il sent fort. Pinceau fond de teint liquide. Donc celui-ci, je le trouve plutôt pas mal. Et niveau, voilà, niveau dense, je pense que ça va être vraiment pas mal. Donc je pense que celui-ci, du coup, je le laverai demain avec tous mes pinceaux. Demain si j'ai le temps. On verra. Donc le petit pinceau pour appliquer le fond de teint, vu que je vous fais une revue. Donc c'est bien aussi d'avoir des produits pour appliquer sur le visage. Et du coup, j'ai pris la petite éponge rose. Par contre, elle m'a l'air assez compacte quand on est habitué au Beauty Blender. Ah ouais. Donc c'est pareil, je la laverai et puis je testerai pour faire le maquillage. Ouais, elle m'a l'air un petit peu compacte. Est-ce que j'ai ton prix, petite éponge? Petite éponge, 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 éponge. Palette, crayon, coupe. Non, je sais pas. Non, j'ai pas le prix, messieurs, dames. Je sais pas ce que j'ai foutu. Je me suis dit, tiens, je vais tout noter. Et au final, je vois qu'il y a plein de trucs où c'est pas noté. Parce qu'il y avait un kit. Donc, je vais vous montrer le kit. Donc, le kit, c'était pour 7,30€. Il me semble qu'il y avait 5 produits, sans vous dire de bêtises. Donc, j'ai pris le fond de teint. J'ai pris le kit peau claire. Il y avait kit peau claire, peau moyenne et peau foncée, il me semble. J'hésitais entre peau claire et peau moyenne. Mais je me suis dit, ce sera peut-être plus simple si je prends peau claire que si je prends moyenne. C'est vraiment trop foncé. Et donc du coup, c'était 7,20€ le kit. Donc dedans, il y avait un fond de teint en teinte naturelle avec un flacon pompe. Et du coup, on voit pas trop... ça se dévisse. Ah ouais, ça se dévisse là. Ah. Je sais pas trop. On verra ça ensemble. On découvrira dans la revue première impression. Voilà, donc le petit fond de teint. Hop. Il y avait également le spray pour faire tenir le maquillage dans le kit à 7,20€. Il me semble que c'est un format de 30 ml. Donc franchement, il y a des packagings de toutes les couleurs. À mon avis, ça doit être par gamme. On dirait la même couleur un peu que mon vernis. Donc le petit spray visage. Il y avait également le concealer, c'est ça? You Are Concealer Cream. Donc c'est pareil, en teinte granite celui-ci.
Ça sent la catastrophe quand tu fais ça, Priscilla. Voilà, ni vu ni connu. Donc, You Are Creamy. Donc, je sais pas trop. On teste. Ça a l'air d'être bien crémeux. Par contre, j'ai peur que ça soit peut-être un peu clair pour moi. On verra. On verra ensemble. J'avais dit que je testais pas trop, mais j'ai un peu testé sur la main. C'est pas très grave. Vous n'allez pas m'en vouloir. Ensuite, dans le kit, il y avait la poudre compacte 10 grammes. Alors, je tiens à signaler que j'ai tout ouvert pour vérifier que tout était en bon état. Et je vais vous expliquer après. You Are Powder, 10 grammes. Donc, elle était dans le kit de 7,20 €. Et c'est pareil, celle-ci, elle me semble un peu claire. Donc, on verra. Je ne l'ai pas du tout swatchée. Il me semble qu'il y a une éponge quelque part derrière. Ouais, c'est ça. Le petit truc éponge. Donc, franchement, je trouve le packaging et tout plutôt, plutôt sympa. Ils ont fait bien les choses et tout avec les petites boîtes. Et celle-ci, c'est teinte ivoire. J'ai peur qu'ivoire, ça soit trop clair pour moi. On verra. Et dans le kit, le dernier produit, c'était You Are Blush and Bronzer. Parce que j'avais pas de blush, en fait, pour faire la vidéo. J'avais la palette de contour. Donc, j'avais un bronzer et j'avais un highlight et tout. Mais j'avais pas de blush. Donc, c'est la teinte vénitien. Et je vais pas arriver à l'ouvrir. Ah bah j'ai dépouillé le papier. Voilà, donc voilà pourquoi je vous dis que je vérifie tout le temps quand je reçois une commande. Parce que du coup, voilà, j'ai reçu le... C'était un bronzer, un blush, un highlighter, je sais plus, je crois. You Are Blush and Bronze. En bref, il y avait trois poudres. Et je pense que vous voyez que le truc est pulvérisé. Donc j'ai envoyé une photo à Beauté Privée pour leur montrer et tout ça. Au final, ils vont me rembourser la palette. Ils peuvent pas m'en renvoyer parce qu'il n'y en a pas d'autres. Donc je suis dégoûtée parce que pour la vidéo première impression, du coup, j'aurai pas de blush. Mais bon, je pense qu'avec le bronzer, j'arriverai quand même à me débrouiller, on verra bien. Donc, je n'ai pas ouvert la palette. Hein. Vu l'état, comment c'était à l'intérieur, je me suis dit, c'est même pas la peine. Je pense que je vais même pas essayer de le reconstituer, parce qu'il y avait trois poudres différentes, du coup, les trois poudres se sont mélangées. Je pense que malheureusement, ça va finir à la poubelle. Individuellement, il me semble que ça devait être vendu quelque chose comme 2 € ou 2,30 € individuellement. Bon, voilà. Donc, un petit peu dégoûté, parce que c'est le seul produit de la commande qui est arrivé... arrivé comme ça éclaté. Voilà. Donc un petit peu déçu, mais après Beauté Privée, franchement, ils sont cool. Voilà, ils t'envoient les photos et tout, ils répondent limite dans les 30 minutes et puis ils trouvent une solution, ils renvoient le produit, ils te remboursent ou ils te font un bon d'achat. Donc franchement, pour ça, Beauté Privée, ils sont cool. Donc pour parfaire le maquillage, je voulais prendre là. Pour les sourcils, donc non, ça c'est la. Pour les sourcils, You Are Eyebrow. Donc voilà, donc c'est marrant parce que vraiment il y a toutes les couleurs au niveau des packaging. Et j'ai pris la teinte Brown, donc celui-ci. Donc vous avez le petit goupillon qui est toujours pratique, ça c'est cool. Je sais pas si vous allez voir, c'est un peu... je sais pas trop si on dit en goutte ou en pointe. Et je sais pas. Oh, ça m'a l'air pas mal. Il est juste là, ça m'a l'air pas mal. À voir, on testera tous ensemble. Donc le petit truc. Et toi, tu étais à combien? Il me semble que ça devait être crayon 1,40 €. Voilà. Tout, après, je crois que c'est mascara, machin. Tout était 1,40 €, il me semble. Donc j'ai pris un eyeliner. Packaging jaune. En teinte noire. Je ne l'ai pas ouvert non plus. Il faut être comme ça. Il est pigmenté, hein. Pigmenté et fin. On verra ça ensemble. Je pense que ça sera la prochaine vidéo que je vais filmer. Donc j'ai pris également le mascara Ultimate. Ah, je vous ai pas dit, c'est super important. La marque You Are Cosmetics, elle est cruelty free, sans cruauté envers les animaux. Et je trouve ça super super important. D'ailleurs, sur le petit packaging, il y a quelqu'un qui caresse un petit lapin. Et c'est trop mignon. Donc c'est très important. C'est très important, je trouve. Et c'est plutôt bien. Voilà. Donc, quand une marque le fait, moi, je n'hésite pas à le dire. Donc, le mascara, 10 ml à voir. Je suis pas... Les mascaras, je suis assez, assez spéciale et tout. J'aime beaucoup de ceux de Jumet ou de L'Oréal. Donc, franchement, je pars très, très négative sur le mascara. Donc, on verra ensemble. Pour finir le maquillage, j'ai pris deux produits. Donc, j'ai pris une palette pour les yeux.
Celle-ci, je suis pas sûre que c'était 1,40 la palette. Non, 2,30 la palette. 2,30, c'est pas très cher. Donc voilà la palette. Et quand je l'ai vue, ça m'a fait penser à la palette Kat Von D au niveau des couleurs. J'essaierai de vous la montrer pour le maquillage. Les tons, c'est exactement les mêmes. Franchement, ça a l'air super sympa. Donc je vous ferai un petit maquillage avec cette palette. Ça sent bon. Voilà. Et pour finir le maquillage, j'ai pris un rouge à lèvres, mais j'ai pris un rouge à lèvres liquide mat. Il me semble que lui aussi était à 1,40, sans vous dire de bêtises. Rouge à lèvres liquide mat Scarlett, la teinte, 1,40. Donc voilà. Donc comme ça, je vais pouvoir vous faire le petit test. C'est trop chou, je trouve. Donc on retrouve bien un petit peu les packagings de ELF. Mon Dieu! Ça sent trop le bonbon. Oh, j'ai trop envie de tester, mais non, c'est pas bien. On va tester sur la main. La vache. Je voyais pas ça aussi foncé. Alors du coup, faudra pas que je fasse un maquillage des yeux trop foncés, sinon ça va être compliqué pour moi. Mais n'est pas sur le bout du nez. Non, ça... Ils sont bons. Je peux vous dire ça, ça sent bon. Donc, hâte de tester tout ça. Comme je vous dis, je pense que ça va être la prochaine vidéo. Et donc, du coup, j'ai eu un échantillon d'une marque. Barnangen. Voilà, je ne sais pas trop. Voilà. Côté privé, des fois, ils mettent des échantillons. Et petit truc, donc j'ai été contactée vendredi dernier, donc il y a une semaine, par la marque Amswam. Swan, je suis désolée pour la prononciation, j'ai un petit peu du mal. Donc j'ai été contactée pour savoir si ça m'intéressait ou pas de tester un miroir lumineux. Du coup, ils m'ont envoyé le produit gratuitement. Et donc du coup, ce que je vais faire, moi, c'est poster quelques photos et mettre voilà, en barre d'infos le lien du miroir. Donc du coup, je vous mettrai en barre d'infos pour celles que ça intéresse. Le miroir est vendu moins de 22 euros. Ça doit être 21, 90, 99, quelque chose comme ça. Donc du coup, voilà, j'ai reçu le colis. Je crois que j'ai passé la commande le vendredi soir. Et j'ai dû la voir le lundi midi. C'est mon conjoint qui l'a réceptionné. Donc je vais vous montrer un petit peu le miroir. Donc le miroir, il est là. Donc quand je l'ai reçu, je pensais que la boîte, elle allait être beaucoup, beaucoup plus grosse. Je voyais ça beaucoup, beaucoup plus gros. Mais finalement, je trouve que la taille est bien. Ça aurait été plus gros. Je pense que ça aurait été pas mal embêtant. Donc je vais vous le montrer. Je pense que vous allez voir ma pauvre installation de merde juste derrière. Donc je vais vous montrer le miroir. Donc il y a comme ça deux volets. On ouvre. Il y a une partie grossissant x 2 x 3 juste ici. Et de l'autre côté normal. Donc voilà, c'est un miroir avec LED. Donc je l'ai branché. Je vais mettre mes doigts partout. Mince, je l'ai éteint. Je pense que vous allez voir. Voilà. Mes cheveux, ça devient n'importe quoi. Donc voilà le miroir. Donc sur mon Instagram, je pense que vous verrez un petit peu mieux. Parce que là, du coup, c'est pas top top. Mais je le trouve super bien, super pratique. Quand on le positionne, voilà, juste au-dessus de nous, comme ça. Juste au-dessus de nous. Enfin, quand on le positionne bien, franchement, il y a une. Voilà, on peut vraiment bien se voir, bien se maquiller. Franchement, quand je l'ai reçu, je me suis dit, ouais, je le trouve tout petit, petit, petit. Et au final, voilà, au niveau grandeur et tout, c'est juste ce qu'il faut. En plus, il y a un petit rebord ici. Donc voilà, franchement, je le trouve vraiment pas mal. N'hésitez pas donc à aller voir sur leur Instagram ou à aller voir sur le mien pour voir les photos. Franchement, je le trouve pas mal. Après, ça fait que 2 jours que je le teste pour le moment. Donc, j'ai pas vraiment d'avis dessus pour le moment. Je pense que je vous en reparlerai du coup dans mes favoris ou du coup peut-être sur Instagram, je reposterai une photo. Et du coup, je vous en parlerai après 2-3 semaines d'utilisation. Là, c'est vraiment 2-3 jours que je l'ai testé, donc je ne peux pas trop vous dire parce qu'il y a des matins, j'étais pressée. Du coup, je me suis maquillée dans la salle de bain pour ne pas réveiller mon conjoint et tout, donc je ne l'ai pas utilisé. Mais franchement, voilà, pour le moment, première impression, je le trouve vraiment pas mal. Et pour 20 euros, le petit miroir lumineux, je trouve plutôt ça abordable et correct. Donc voilà, c'est terminé pour mon haul solde beauté Sephora, haul You Are Cosmetics sur beauté privée, tout ça. Donc comme je vous disais, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et comme je vais faire les soldes demain, s'il y a d'autres produits pour lesquels j'aurais craqué, ce qui m'étonnerait fort, parce qu'en général je craque pas.
Et je craque pour la nouvelle co, comme tout le monde, voilà, à plein tarif. Je vous referai une vidéo, mais sincèrement, je pense pas. Sinon, on se retrouve le week-end prochain et j'aurai fait sûrement la vidéo première impression de la marque You Are Cosmetics. Un total make-up pour 23 €. Voilà, donc n'hésitez pas, donc comme je vous disais, à vous abonner pour pouvoir ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye!